Hop les gens, de retour sur Rise of Industry. Tout de suite la suite. Hein. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à... Si, il n'y a pas grand chose à introduire. Un tout petit peu. Art production. La verrerie est pleine parce que cet entrepôt est pas plein. Mais qu'il arrive quand même pas. Si... du coup, je pense avoir confirmé que le... Que... Comment dire? Que ça, là, ça ne passe pas. Donc, on va devoir... Je remets déjà en pause. On va devoir faire une double intersection. Comme ça. Là, normalement, tout le monde peut aller partout. Je pense que ça marchera. Ensuite, du coup... Là, par contre, c'est... Toutes les intersections sont plutôt douces. Donc, je ne sais pas ce qui lui arrive. Ça, du coup, ça ne doit pas servir à grand-chose. Ouais, donc... Et mince. On va supprimer... Mince, tout ce qui n'est pas nécessaire. Donc là, il peut aller là, il peut aller là. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de... Si d'ici, on peut faire ça. Oui, mais ça inverse pas de côté, c'est bon. Je sais plus si je crois qu'il fonctionnait celui-là. Je sais plus trop. Oui. Sinon, on avait quoi comme mission? On avait plus rien. Là, je crois que j'avais oublié de remettre la vente de nounours. Oui. C'est bien ça. Eux non. Peut-être pas besoin de travailler à 125%. Alors la plantation, on va tout mettre à 100% là. Par contre les trains, eux ils peuvent se mettre à 100%. Et c'est où c'est là? Ah si eux c'était pour avoir justement un petit peu de surplus. Du coup, là, en 12 jours, il consomme 1 de coton. Et la production créée... Ah si, oui, la production, elle en crée tous les 30 jours, tous les 24 jours, ça en fait... Ça fait qu'il en manquerait 1, là, non? Ah non, ils en produisent 2. Donc, non, 100%, ça doit suffire, il y a même du rab. Voilà, je pense que c'est rééquilibré. Pour avoir des stocks, des excédents de rembourrage. Et là aussi dans les routes, alors c'est le magasin de jouets, je voulais voir aussi là le magasin, il peut vendre 8 de trains tous les 15 jours. Du coup il faut que les trains, j'en stocke toujours au minimum 8. On va même en garder 10 toujours quoi qu'il arrive. Est-ce qu'il y a d'autres trains? Non. Et pareil pour les ours en peluche, donc là j'en garde 5 alors qu'il en vend 3, donc c'est bien. Là par contre on en envoie... Pourquoi on en envoie l'entrepôt 5? C'est lequel l'entrepôt 5? C'est ici et... Il n'y a pas de raison. Pas de raison d'envoyer du rembourrage ici, il me semble. Ici, il n'y a pas de stock de rembourrage. Je pense que c'était une mission que j'ai oublié de fermer. Vu que là, il y a du... Ah, le magasin de vêtements. Non, le magasin de vêtements n'en consomme pas. Le supermarché non plus. Le magasin de bricolage à la limite du coton. Et le magasin de bricole non plus. Oui, donc j'ai dit 10 et 5. Ça me paraît correct.
un autre entrepôt de hockey. On peut peut-être en garder moins en stock maintenant qu'on a nos trucs. D'ailleurs, magasin de bricolage. Mince, c'est pas ça, magasin de bricolage. Lui, il en a besoin de 8, donc si j'en garde 10 en stock avant de lui donner... Non, ça, on s'en fout, en fait. Ça, on s'en fout. On va mettre 5, et là, on va mettre 10. L'entrepôt 2, c'est lequel? C'est celui de Arcadelphia. Arcadelphia... non, c'est... ici. Arcadelphia, son magasin de bricolage en prend bien 6 régulièrement. Et là, on... Je suppose qu'on autorise la vente. Oui. Si, là, est-ce que t'as des stocks? Tu n'as pas de stock. Je suppose que c'est parce que t'arrives pas à communiquer. Voilà, je pense qu'on a rétabli les quelques productions que je me suis rendu compte juste après avoir coupé le dernier épisode. Qui n'étaient pas forcément bien. Ça c'est bon. Ah, ça c'est. Je me suis dit aussi, je pouvais peut-être pas faire la même chose en symétrique parce qu'il y a l'intersection au même endroit de voiture. Ce serait bizarre d'avoir une intersection de voiture et une intersection de train au même endroit. Et Houston, ils sont en croissance. Et on voulait les développer au maximum. Il y a quoi dans la ville de Houston déjà? Juste du bois et du poisson. Mais j'aurais presque pu mettre ces entreprises ici. D'ailleurs, ça... Il va falloir des planches de bois. Ah oui, bah justement, je les produis déjà là. Ah, c'est dommage. J'aurais pu le faire à Houston, ça aurait été un poil moins cher. C'est pas grave. Ça aurait été un peu moins cher, mais j'aurais dû faire les trajets à la main. Enfin, certains trajets à la main. Bon. Je peux reprendre. Je regarde juste là pourquoi lui il a 15. Parce qu'il y a plein de camions qui sont en train d'arriver. Il y a eu un gros stock qu'on a envoyé là, je crois. Je sais plus d'où. Il me semble que c'est ça, et du coup tous les magasins veulent venir. Alerte trajectoire. Ah oui. Donc ça ne fonctionne toujours pas, alors que là... Tac. On y verra mieux. Alors ça, on va pas me dire que ça ne marche pas. Et là, on voit bien les rails courbes, mince. Si je fais ça... On va commencer plus simple, on va faire ça. Là... $0. $0 toujours. Truc con, hein, mais petit à petit. Alors là, j'y crois pas que ça fonctionne pas. Ça, c'est censé fonctionner aussi. Allez. On va lui laisser le bénéfice de l'extrême doute. Mais non, ça ne fonctionne toujours pas mieux. Oui, magasin de bricolage, c'est normal que celui-ci fonctionne.
serait ça qui gêne. Oh punaise, c'était ça qui gênait. Alors, comment faire pour que ceci fonctionne? Surtout que je passe d'un secteur à une voie, un secteur à une voie, ce qui est... pour le moins étrange. Ça fonctionne. Ça a l'air de fonctionner, évidemment. Et ça fonctionne toujours. Après, il faut voir ce que lui voit. Lui, pour lui, ça ne fonctionne pas. Pourtant pour moi, je vois que tu peux recevoir un train qui vient là et l'envoyer ici. Je peux enlever l'arbre ici pour qu'on voit bien, mais là c'est pas zéro quoi. Là tu es censé pouvoir faire ce chemin là. Si on enlève, alors, si on enlève tout ça, oui, il n'y arrive pas. Si on remet... Non. Si on remet ça comme ça... Alors oui, t'as réservé pleine, mais on s'en fiche. Et toi, t'as réservé pleine, mais ta réserve de quoi? C'est l'entrepôt 1. C'est ta réserve de verre, et ben... Non, on va rajouter. Oula. Mauvais bouton. On va rajouter une usine à jouets. Peut-être deux. Parce que l'usine à jouets consomme 2 de verre tous les 30 jours et 1 de teinture, je crois. Et eux produisent 1 de verre tous les 15 jours, donc. Non, ils produisent 2 de verre tous les 15 jours. Ah ouais! Eh, mais non, bah, toi, tu vas arrêter. Hein. Ouais, mais tu peux rien faire d'autre intéressant là. Non, bah non. On va te raser, oui, démolir. Un seul produit suffisamment pour deux usines à jouer, je pense que du coup, il n'y a pas besoin de plus. On a toujours ce problème d'entrepôt. Oui, j'ai quand même des recherches à la suite, puisque j'attends les panneaux. Mais il me faut des recherches. Et que pour rentrer, normalement il n'y a pas de problème pour sortir. Et bonjour 988 Narfkila. Bienvenue. Comme follower.
là ça commence à faire un bouteillage. Pourquoi j'avais dit que j'acceptais les camions qui faisaient ce chemin là? Parce que là ça enfin ça me fait un embouteillage dans les deux sens, ça m'embête la sortie quoi. Ceux qui arrivent de là. J'ai envie de juste couper cet endroit-là en fait. C'est sûrement un peu con et on comprendra plus. Enfin, je me souviendrai plus tard pourquoi je l'avais mis. Mais ce que je vois surtout là tout de suite, c'est que il y a la queue pour rentrer et la queue et la sortie, elle est plutôt bien jusqu'à présent. C'était plutôt l'entrée qui était bouchée et pourtant ils n'arrivaient pas à sortir, donc je pense que ça gênait. Là par contre d'ailleurs, si on met la carte thermique de la circulation, ça passe de rouge à vert. Il y a l'intersection qui gêne et après c'est bon. La pollution... Ouais, le lac il est toujours pollué à 100%. Ici je pense que ouais, c'est pollué à 100%. Ici c'est un peu pollué mais pas trop, il y a le truc qui soigne là, qui empêche. Et là c'est très pollué mais... Ok. Pourquoi là ça... Ouais, je pense que le jeu n'aime pas tant que ça les... Quand on fait du monorail. Entrepôt 5 qui est ici, je crois. Oui. Toi, tu livres au centre-ville parce que c'est un contrat. J'ai un succès, une mission. Non, non, c'est juste un contrat. Et voilà, là-haut ça se gêne alors qu'ici c'est du monorail quasi tout le long et il n'y a aucun souci quoi. Je suis très perplexe là-dessus. Ou alors c'est les intersections que les trains n'aiment pas. Franchement, j'ai aucune idée. Alors, mes événements RP, c'était... ah oui, j'ai pris un prêt avec un intérêt réduit à 4% au lieu de bah, deux fois plus. Et le permis de construire dans la région de Houston et tous les bâtiments et le coût des bâtiments, donc c'est la construction, je suppose, est réduit. Et hop là, il n'y a aucun problème, on se plaint pas. Alors l'usine de jouets numéro 2, c'est pas celle-là, c'est celle-ci, mais là numéro 3 aussi. Non, c'est pas que vous avez des problèmes, vous pouvez toujours faire le tour. C'est juste que il y avait du monde et du coup c'est un peu lent. Ah non, j'ignore tout ça pour le moment. C'est surtout qu'il y a une file d'attente qui s'agrandit. Bon, il y a certains camions qui ont envie de s'arrêter et d'autres qui font non, mais celui d'avant il y allait, j'y vais aussi. Oui, l'usine de jouets, on a dit qu'on fermait. Et donc le train, je suis toujours un peu perdu.
Si des gens ont des idées, je suis preneur. Là, vous n'avez... Si vous avez du stock... Toi, est-ce que tu as du stock? Tu as du stock. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais juste... Youp. Prolonger. Et dupliquer ici. Parce que là, je crois que c'est un peu plus... Oui, c'est différent. Il y a 5 récolteurs. Et je crois qu'un récolteur, on sait pas spécialement si... Il a produit 10 le mois dernier. Eux, en 15 jours, ils prennent 4, ils prennent 2, donc 4 pour le mois. Donc en fait, non, il fallait en produire qu'un seul. Oui, déjà. Toi. Alors, d'abord toi, je peux pas t'envoyer plus loin. Du coup, c'est à toi que je dois mettre une destination pour comme ressources brutes, le cuivre. Il faut que tu en envoies ici. Et toi, comme destination, tu ne peux rien faire en auto. Tu renvoies à l'entrepôt. Normalement, ça devrait améliorer les choses. Je peux même mettre une route comme ceci. Mais pour que ça améliore, il faut que toi, tu aies des stocks et tu n'en as pas. Toi, est-ce que tu as des stocks? Tu en as 3. Non, mais en fait, tu peux tout simplement aller là et puis... Je pense que tout simplement ça devrait marcher tout aussi bien. Alors ici on est en train de stocker du coup du bois et des planches de bois. Houston. Ah oui, mais Houston, ils ont toujours des problèmes parce que tous les camions arrivent d'un coup. La ferme d'élevage ne peut pas... Qu'est-ce qui lui arrive? L'usine a joué... L'usine 2 jouait 3. Normalement, tu peux faire ce trajet-là. Tu n'as aucune interdiction, regardons. Là, tu vas à l'entrepôt, d'accord. Mais tu n'as aucune interdiction. Ça, c'est une route double sens. Évidemment, on voit aucun camion utiliser ce double sens. Si, voilà. Et voilà. Tu vois, il n'y a pas de souci. Tu peux y arriver. Et toi, c'est quelle destination qui t'embête ? Il y a des alertes comme ça alors que ça marche. Ça m'embête plus pour le train parce que le train il me met quand même qu'il est à zéro et que du coup c'est un peu gênant. Oui et oui, voilà. On va remettre ça. Oui, je l'avais mal lu tout à l'heure. Ça c'est bon, on va bientôt avoir le... on va bientôt avoir le contrat pour ça. On va dire que... tu en gardes au minimum 2, mais tu en envoies 2. Non, tu en gardes au minimum 4. Et tu as le droit d'en envoyer par 2. Enfin, tu as le droit d'envoyer ces deux-là. Là, maintenant, tu en gardes au minimum beaucoup trop. Juste
le temps que ce train livre l'entrepôt ici, une fois que cet entrepôt est livré, il va livrer le contrat au centre-ville et je pourrais finir cette, enfin, fermer la route en fait. Dès que le train arrive, je fermerai la route. Oui, elle est RTRD. Oui, je veux bien livrer à Reno des 51 tuyaux. Vu qu'en plus je suis en train de finir la mission, c'est qu'au lieu de fermer la route pour l'emmener à l'entrepôt 5, j'emmène à un autre entrepôt. Donc ça on s'en fiche. Non, on s'en fiche. Voilà, donc, dans le rapport que je n'ai pas encore ouvert d'ailleurs, pour une fois, j'ai bien gagné mon entretien là, mon contrat, et j'ai gagné le prochain contrat. Donc là, au lieu de livrer Robertsonville, tu vas livrer l'entrepôt qui est à Reno. Tu en gardes au minimum 0. Et voilà, Reno, tu crois que tu n'y as pas accès. C'est embêtant. Mais Reno, tu n'y as peut-être réellement pas accès. Comment ça se passe? Le droit, il est là. Il est censé aller là, mais du coup... C'est comme ça. Ouais, comme ça. Et là, tu peux y aller, ok. Donc, il veut pas aller à l'entrepôt 1. Mais de l'autre côté, je suis en train de me dire que l'entrepôt 1... point, il en a pas besoin. Ce qu'on veut, c'est produire dans le coin, donc chez Houston, ceci. Il faut un centre de menuiserie. Très bien. Sur la colline. Quatre cases, 33. C'est la même chose, mais c'est un poil moins cher ici. Et surtout, ça réaccélère toutes ces. Tous ces trucs-là. Toi, du coup. J'ai plus besoin de ça. J'ai besoin de toi. Tu as besoin. Des tuyaux. On va quand même en garder deux au minimum. Et on en envoie 5 au maximum. Ouais, 5, ça fait 5 mois au final. Ça me paraît bien comme stock. Voilà. Quoique. En fait, on pourrait directement avoir une route qui part d'ici. Et toi aussi, tu envoies à lui. Sauf que tu en gardes 5 en stock avant de les envoyer à l'entrepôt. Et toi, tu envoies tes bouts de bois au centre de menuiserie, tu t'en
garde 5, tu en envoies 5 au maximum. Et le reste... Non, tu t'en gardes 5 ici. Voilà. Et toi, il faut quand même... Ouais. Toi, tu prends tes panneaux et tu les envoies là. Et les panneaux, tu en envoies maximum 5. Livrer quand c'est en un camion plein, c'est quand même beaucoup mieux. C'est laquelle, la fonderie 4? C'est celle-ci. Hop là. Oui, mais tu n'as pas, donc on va partir du principe par le principe que tu n'as pas de stock. Voilà. Comme ça, on commence à produire des panneaux muraux pour faire prospérer mes deux villes. C'était quoi? C'était Richhill et Arcadelphia. Et dans le même temps, on ne diminue pas trop la production de tuyaux pour le contrat de Renault. Donc toi, est-ce que... non mais j'ai plus rien qui va directement à Richhill. Donc c'est bon. Là, ce 3, 4, 5, quand c'était, tant que c'était que 3, ça veut dire qu'il y en a autant qui rentrent, qui sortent, à peu près un tout petit peu plus qui avaient réussi à rentrer. En fait, par défaut, si on avait juste une longue route qui rentrait, ils rentrent plus vite qu'ils ne sortent, j'ai l'impression. En même temps, ils ont de la vitesse, ils freinent pas pour arriver, alors que là, ils démarrent petit à petit. Donc je pense que c'est ça. En tout cas, on a vidé, juste en supprimant cette route, on a vidé le trop-plein de camions qui était là. D'ailleurs, en parlant de trop-plein, tu as quelques péris, tu as pas beaucoup de stock jusqu'à ce que je regarde la teinture et le verre. De livrer l'usine à jouer numéro 2, qui fabrique des billes numéro 2 plutôt, en direct. Oui, par contre, du coup, tu dois faire le grand tour, tu peux pas passer par en bas par l'entrepôt, vu que j'ai coupé la route. Mais je suis pas sûr que ce soit un défaut. Comment ça, t'as pas de stock? La vitesse des camions augmente de moitié. Je prends. Ah, c'est marrant ça. On a beaucoup trop de verre. Mais l'entrepôt, il a tellement de trafic que les camions qui sont censés venir chercher du verre, ils fonctionnent pas. Je crois, hein. Yeah, les camions qui roulent plus vite. Il va pouvoir y en avoir plus là-dedans, plus d'embouteillage. Usine à jouer 10, usine 2 jouer 10, usine 2 jouer 9. Donc, ils y arrivent. Il y en a un qui est rentré, j'ai vu. Il y en a un qui rentre. Okay.
Je sais pas trop. En tout cas, maintenant que j'ai des billes qui travaillent, hein, c'est, bon, pour moi, c'est tout ce qui compte, c'est que les usines travaillent. Mais ça m'embête un peu de me dire que là, j'en ai que deux en stock, donc juste pour la production d'un jour. Alors que dans l'entrepôt, il y en a une infinité. Est-ce que ce serait ça? Est-ce que le livret pour 3 cycles... Un cycle, en fait, c'est 15 jours. Donc 2 cycles, c'est 30 jours. Donc pour 2 cycles, au final, ils ont l'équivalent de... pour un cycle, pour les jouets. Oula! Gros embouteillage. Il démarre où l'embouteillage? Ok. Et du coup... Du coup, je disais, oui, en fait, c'est pas livre 3 cycles, c'est pas livré pour 3 cycles, c'est avoir des stocks pour pouvoir produire pendant 3 cycles. C'est peut-être ça. Rien n'est sûr. Mais si là, tout d'un coup, on voit qu'il passe à 4 et qu'il est constant à 4, alors que lui reste constant à 2, c'est qu'on aura trouvé la solution de cette énigme. Je pense. Oh là là, il y en a 25. Oui. Oh, on peut investir plus d'ailleurs. On peut investir plus, oui. Je veux juste vérifier. Ouais, ça doit être. Si, ça va. Je vais dire que ça allait être compliqué, mais non, ça va. Niveau bénéfices. Et. Si on investit plus les routes, il faut qu'elles aillent plus vite. Les camions, ils peuvent stocker un peu plus. Les camions toujours. Ils sont où? Les camions, ils ont le droit de rouler un peu plus vite, s'il vous plaît. Les réserves d'usine, l'épurateur chimique et la station d'épuration, c'est bien. Mais non. Coût des tunnels et des ponts. Ça va coûter cher quand même. Surtout que j'en produis pas des masses. Alors ici, tu as ton 1 de stock, tu n'as pas de destination, ce qui est fâcheux. Quoi? Comment ça, la mine de cuivre, elle peut prendre du... Je suppose que la mine de cuivre peut faire juste relais jusqu'à l'entrepôt. Et donc on veut livrer, on va d'abord livrer Arcadelphia, allez. Donc, on va attendre que les premiers arrivent. Voilà. Je veux que tu livres à l'entrepôt de Arcadelphia par train. Je veux que tu en livres 5. Et seulement quand c'est prêt. Il y a les camions qui ont fait juste le tour. Le seulement quand c'est prêt, je pense que c'est un peu exagéré. Mais bon. Ici, ce que je veux, c'est que vous bossiez un peu plus vite.
Alors ici. Et ici, il y a 4 de stock en vert, alors qu'ici, il n'y a que 2. Donc je pense que j'ai trouvé la raison pour laquelle. Non, c'est pas ça. C'était ça. Pour laquelle il y avait parfois pas de stock. Je sais même pas ce que j'ai gagné. Si. Les panneaux muraux, j'ai fait. L'investissement de la recherche, ok. La pollution, ok. Maintenant, c'est la capacité des camions. Réserve pleine à Rich Hill pour le vert, je suppose. Oui. Tant pis. D'ailleurs, la teinture. Je pense que vous pouvez bosser un peu moins. Le vert aussi, j'ai pas réfléchi, mais. Vous avez le droit de lever un peu le pied. Et du coup, pour expliquer, parce que je pense que j'ai expliqué, mais sans être très clair, ça c'est le nombre. Les cycles. Oula. D'ailleurs, 125% toi, je. Dans l'entrepôt, il a du stock d'eau. Il a du stock d'eau. Donc arrête. Le 1, 2, 3 cycles, c'est le nombre de stocks qu'on va chercher dans l'entrepôt. Mais si c'est directement, par exemple, la station hydraulique qui envoie, ils en ont autant que la station hydraulique veut bien leur en donner. Donc là, j'ai configuré sur 6. Donc ils en auront 6, même si 2 cycles d'eau pour les fermes, ils en consomment 1. Ah si, c'est pile poil. C'est pile poil. C'est pile poil, mais du coup je vais en envoyer 10 parce que pourquoi pas. Ouais. Non, le nom de la carte. Je ne l'appellerai pas Zikiland comme ça, tout d'un coup. Livrer des briques, je veux bien. Robertsonville, c'est pas loin d'ici, c'est des briques. Les briques, comment on fait ça? On va attendre de gagner le contrat avant de trop se souvenir. Ah oui, non, c'était du verre et du sable, donc ici c'est un peu compliqué. Le verre. Mais je pourrais la mettre là, l'usine à briquettes. Je crois. Ouais, du verre et du sable. Construire ce bâtiment. Tac. Et faut tout relier les rails hein, que j'ai tout cassé depuis tout à l'heure. Alors, comment on va les relier? Parce que là, ce qu'on veut, c'est que ça rejoigne ce truc-là. Je pense que celui-là, il va falloir le monter. Le nord et le sud, ils n'ont pas besoin de se relier. Ces deux entrepôts où je ne peux rien produire moi-même. Par contre... Ici, on peut relier comme ceci. Et au final... Au final, on peut les relier... Non, on peut pas les relier comme ça. Alors, on peut relier comme ceci. Et... Pourquoi il veut me faire dépasser...
vais passer de l'autre côté. Pourquoi ne veux-tu pas? Alors là, il veut bien. Est-ce que toi, tu serais en capacité de livrer à l'entrepôt de Robertsonville par train, s'il te plaît, quand le train est plein? Et plop Tokumiya. Oui mais non, rentre. Ok, il est capable. Il est capable, donc il comprend l'aller-retour, normalement. Peut-être que là, je peux le supprimer, tout ça. Il veut pas. Il ne veut pas. Du coup, lui, oui. Dès que tu as des briquettes, ça m'intéresse. Là, c'est 15 jours. Il manque du sable, il manque de l'eau. Non, il y a de l'eau et du sable. Donc pourquoi t'en prends pas plus? Il va peut-être en chercher là tout de suite. Et le sable, je pense qu'il est en train de se faire un peu rare. Ah mais non, mais le sable, il peut le livrer directement ici. Voilà. Ouais. Mais t'as quand même très peu de stock à l'entrepôt, donc 125%. Ça ne sera plus mal. Pas plus mal. Ah bon? Ton dernier passage sur Twitch avant un moment de Mia? Comment ça se fait? Tu vas te dédroguer, te civiliser et abandonner Internet. Oh, j'avais pas fait gaffe que c'était trié commercial, usine, ferme. J'avais pas du tout fait gaffe jusqu'ici. C'est pour ça que je me rendais compte que les commerces étaient toujours à la fin. J'avais pas vu qu'il y avait les catégories. Pas trop de surplus de rembourrage. Hein. D'ailleurs, pourquoi là, ils ont 5 en entrepôt? Ouais. Oui, c'est parce que. Ok, il n'y a pas de surplus de rembourrage, mais ouais. Oui, il n'y a plus l'événement avec les crédits à 50%. Alors ici. Punaise, il y a déjà 48. J'ai pas fait gaffe et il y a déjà 48 de tuyaux en cuivre. Donc, l'objectif c'était 51. L'entrepôt de Renault. Non, c'était pas infini, c'était 51. Ah oui, mais maintenant il en a déjà trop. Oh,
Tant pis, tant pis. Du coup, l'objectif, c'est zéro. Voilà. Comme ça, c'est fait. Mince. Et du coup, l'entrepôt de Reno, lui. Petite excursion. Il y a un contrat dans la ville, juste à 500 mètres. Faut que vous les envoyez tout ce que vous pouvez. Ok. Si c'est un événement que tu peux avancer, c'est pas ce que je pensais. Alors, il y a déjà 18. Le balai des camions dans cette ville. Puisque maintenant, du coup, ils partent de là. Ils font ce trajet. Hop. Et ils reviennent, je crois, par le même chemin à peu près. Et lui, il a toutes ces fermes de ce côté qui vont, je sais pas trop où. Ses poissonneries et ses industries, du coup, ça fait déjà de base un balai de camions. Et j'ai emmené les miens en plein milieu. Ouais, du coup, malgré les 250 000 qu'on investit dans la recherche, ce qui améliore grandement la vitesse quand même. Faut pas déconner, ça, c'est énorme. On est quand même en positif pour les bénéfices régulièrement. Peut-être pas à chaque fois, mais régulièrement. Et on a gagné du coup le contrat à Reno. Et là, tu as 5. Tu es en cuivre de trop. Ok, je pense que c'est bon. Ok, il y en a déjà 5 à Arcadelphia. Maintenant, il faut l'envoyer à l'entrepôt qui ne va pas fonctionner de Rich Hill en train. Et tu en envoies maximum 15. Et de Arcadelphia. Attention, préparez-vous. On va livrer. Quoi? De quoi? Ah, ok. J'ai dit de la merde. Non, d'abord tu livres à Arc. Philadelphia, c'est celui-ci. Tu en livres 5, tu t'en gardes 1, mais tu as le droit de partir. Tucson veut des ours en peluche, il va avoir ses ours en peluche. Les briques, les briques. Oui, non, les briques, c'est là-bas qui sont faits, j'en ai pas encore des masses. Suivre le train quand même. Donc il faut livrer des peluches à Tucson. Yep. Alors toi, il va falloir que tu arrêtes de vendre des peluches à la ville. Désolé, magasin de jouets. Par contre, il va falloir que tu envoies. Il n'y en a pas en stock. Envoyer du niveau 2 les ours en peluche à mon entrepôt qui est à Tucson en train quand c'est plein.
un maximum de 18. Donc ce petit train a envoyé, a fourni plutôt les panneaux muraux à Arcadelphia. Maintenant ta prochaine cible ça va être Richhill avec 15 panneaux seulement par bloc pour le moment. Et toi tu vas livrer ceci à ta ville. Dernière petite pause. Le temps de tout cacher, les feux d'artifice sont déjà finis. Hein. On n'est pas dans Surviving Mars où, où les feux d'artifice durent 18 ans. Ça fallait livrer à où ? À Robertsonville. Ah oui. Et toi, est-ce que t'avais... Non, je crois que je te l'avais pas mis. Un entrepôt de Robertsonville par train quand les trains sont complets jusqu'à 55. C'est bien un train qui est parti, on le voit. J'aurais dû le faire dans l'autre sens, c'est trop tard. Est-ce que j'ai réglé mon entrepôt 1 ? Destination inatteignable. Super. Je ne vois que de l'atteignable, moi, mais bon. Allez là. Je pars de là. D'habitude ça marche les intersections comme ça. Je peux pas dire que c'est celle-ci qui gêne. T'en veux une moche? Mais pas mieux. T'en veux une moche ici peut-être? Non, pas comme ça, ça c'est trop moche, tu ne vas pas aimer. Même pas là, c'est... Non. Le jour
On lui vaudra bien m'expliquer concrètement pourquoi ça marche pas là. Ah oui, non, mais c'est peut-être là-haut en plus. J'ai peut-être tout cassé pour rien. Oui. Super. GG, moi. Alors, toi, tu vas jusqu'ici. Et tu vas aussi. Non. Ça lui suffit. Ah oui, non, il y a la route dessous et le train passe pas en diagonale sur la route. Ça, j'ai cru comprendre. Ok. Ouais, ce mois-ci, par contre, c'était pas des bénéfices. Hein. Enfin, le mois dernier, du coup. Et on a toujours pas investi à Houston. Il nous reste combien de temps? C'est pas trop. Enfin, on a investi un petit peu quand même. Hein. Un petit peu, puis là on a gratté un petit peu aussi. Oui, l'entrepôt 1, toi par contre. Tu veux vraiment pas. Ça. Oh. Et il revient là. Très bien. Et puis quand il repart, il fait ça, il fait ça. Et c'est bon. Je ne comprends pas. Tes ours en peluche, toi. Surtout pas. Oui, Rich Hill, c'est ce que je me demande. Toi, t'as quand même pas des ours en peluche? Non, c'est bon. Bon. Eh bien, c'est sur ces interrogations de trajet interdit. Plutôt étrange pour tous les trajets. Non, c'est pas ça. On va se quitter pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu quand même, quoi qu'il arrive. Et je vous dis à très vite. On a eu un feu d'artifice.